Une idée de sortie ce week-end, rendez-vous au jardin. L'opération nationale connaît un succès grandissant. En Alsace aussi, la passion des jardins prend de l'ampleur. La petite ville de Bar, par exemple, compte à elle seule 8 jardins ouverts ce week-end. Parmi eux, le jardin des artistes en herbe et celui du brocanteur. Catherine Munch, Marie-Christine Lang. De prime abord, depuis les hauteurs de Bar, on voit surtout des arbres. Une végétation dense derrière laquelle se cachent des trésors. Et ce week-end, Colette Langrand a décidé de partager le sien avec le plus grand nombre. Quand nous avons acheté cette propriété il y a 30 ans, nous avons découvert un vieux verger. On lui conserve un aspect naturel. On utilise les vieux arbres pleins de vie pour faire pousser des nouveaux plants. Et aucun produit phytosanitaire, que du naturel. Chez Colette, il n'y a que des espèces locales sur 500 mètres carrés, griottes, noyers, châtaigniers ou saules. Et l'amour de la nature a déjà gagné son petit-fils. C'est lui qui va présenter la mare aux enfants ce week-end. Il y a des nénuphars, des larves de libellules et des tritons. Et tu viens faire quoi ici? Enlever les feuilles qui sont dedans et enlever toutes les saletés. Bonjour, bienvenue au jardin. À l'autre bout de Bar, en direction du Champ du Feu, un jardin au style très différent est à découvrir. On avait cette volonté d'avoir comme un petit cocon, c'est-à-dire d'avoir une densité maximum de plantes, espace réduit, effet de dénivelé pour aller de surprise en surprise. La surprise dans ce jardin, ce sont les objets chinés, déposés ou accrochés de ci de là, parmi les fleurs et plantes vertes. Pour ses propriétaires atteints de collectionnite, même les variétés d'Osta se comptent par dizaines, tout comme les pivoines. Je cherche des idées, parce que moi j'ai un jardin qui n'est peut-être pas aussi bien aménagé que celui-là. On voit que c'est quelqu'un qui a du talent parce qu'il s'est adapté aussi bien les plantes avec les objets insolites qu'il a trouvés, alors que moi je n'ai pas ce talent-là. Pour vous inspirer, vous aurez le choix. En Alsace, d'ici dimanche soir, il y a une soixantaine de jardins privés ouverts et c'est gratuit.